Yo, les potes, c'est Netcool, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est super. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, je vais vous présenter ma nouvelle base. Donc, c'est une base, une petite base, une sorte d'avant-poste qui a été. Donc, qui appartient au clan. Et donc, qui a été. Donc, un petit avant-poste qui est perdu en fait. Et donc il a été récupéré par les clones et par on va dire des chasseurs de primes mais de la République. Voilà. Ouais, en fait pas trop des chasseurs de primes, des. Je sais pas comment on peut appeler ça. Des chasseurs de primes, on va dire. Voilà. Voilà, donc je vous. Désolé pour la coupure. Donc voilà, donc c'est un avant-poste avec donc un clan de robot tank, un APA, un truc comme ça, je sais plus comment ça j'ai oublié le nom, j'ai regardé sur la boîte. Un clan de scout walker, j'avais complètement oublié le nom. Un pote en gros, j'aurais juste pu dire. Un speeder là-bas. Et un vaisseau juste là. Voilà. Donc les vaisseaux, je vous présenterai pas l'intérieur parce que vous le connaissez déjà. Quoi. Vu qu'il n'y a rien de spécial à l'intérieur. Voilà. Donc on va commencer par l'extérieur. Donc ici on a le générateur d'énergie. Donc avec deux panneaux de contrôle. Donc ici pour voir la température du générateur. Et ici pour voir ici pour régler les. Tout le générateur et tout ça. Voilà. Donc le générateur qui fait comme d'habitude. Ici un petit truc comme ça. Ici on a une fille qui est Jedi mais elle le sait pas encore. Enfin elle est en train de le découvrir, du coup elle s'entraîne. Ici on a un chasseur de primes repris de Star Wars The Clone Wars. Donc je ne me rappelle plus le nom de l'original. Voilà. Ici on a un chasseur de primes avec le corps d'un Gungan. Et la tête de Qui-Gon. Donc j'ai que des chasseurs de primes custom. Sauf un mais qui est pas dans la moque. Et puis c'est pas un chasseur de primes. Et même pas ça, c'est même pas un chasseur de primes. Dites-moi en commentaire si c'est un chasseur de primes. Je vous rappelle déjà plus son nom alors bon. Après non, je crois pas avoir de vrais chasseurs de primes. Non, Grievous c'est pas un chasseur de primes. Non. J'ai pas de vrais chasseurs de primes. Voilà. Donc ensuite on a un clan des mineurs ici donc qui garde l'entrée. Un clan des mineurs juste là et un autre clan juste ici. Ensuite on va passer au toit. Donc ici donc j'ai un toit vraiment simple, j'ai pas fait cette partie du toit. Parce que ben, je vais passer de pièces. Voilà, donc ça c'est un truc pour tenir cette partie. Ici donc on a des antennes. Voilà, plein d'antennes, une parabole, une. Ouais, plein de petites antennes. Voilà. Ici une arme qui est posée juste là. Voilà, donc l'entrée de la base. Ici deux trucs comme ça. Donc si on enlève ici on a une caisse d'armes avec un clan qui prend ses armes. Voilà donc un clan qui a pas de casque qui cherche une arme ou qui la range. Ici on a Kadimundi. Donc c'est pas son vrai corps. Ici on a un clan gunner qui est sur des PC. Avec le siège, voilà, que vous connaissez, que j'aime bien, voilà.
Donc qui est rempli de GG Kenobi. Non mais je crois que c'est GG Kenobi qui l'a créé tout au début. Je sais plus, mais en tout cas moi c'est dans la vidéo de GG Kenobi que je l'ai vu. Ici on a Cody, donc sans le casque aussi. Pareil. Ici le chef des chasseurs de primes, donc c'est Po. Mais bon, j'ai pris. Je dis que c'est pas Po quoi. Ensuite on a Hera, je crois que c'est ça qu'elle c'est comme ça qu'elle s'appelle. Hera avec le corps de Gly. Voilà, donc pareil, une chasseuse de primes. Chasseuse de primes du côté de la République. Quoi. Ici des caisses d'armes, donc un minigun. Pareil là, un minigun et tout ça. Un minigun. Une arme comme ça. Et après plein de blasters. Ici on a Finn. Donc pareil, je dis que c'est un chasseur de primes. D'ailleurs, voilà, j'ai rajouté cette arme en fait à Finn parce que je trouve que ça fait plus stylé. Voilà, donc ici un garde, donc Finn. Donc ici ils sont sur un mur et ils gardent le mur quoi. Ici un rebelle sur une grosse mitrailleuse. Mitrailleuse lourde. Voilà, que je trouve assez bien faite. Et donc le mur, la partie haute du mur. Voilà. Donc c'est une base courte, mais que j'aime bien. J'ai tourné cette vidéo le matin parce que ben, ça faisait longtemps que je n'ai pas tourné de vidéo. Donc celle-ci, on est lundi matin, elle sortira soit lundi soir, soit mardi soir. Donc je verrai bien. Ou alors peut-être mercredi. Voilà les potes, donc bon, mais c'est déjà la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker. Mettez plein de pouces bleus, du coup. Abonnez-vous. Ouais, abonnez-vous, activez la cloche des notifs. Et puis moi, en attendant, je vous dis ciao à tous, c'était Natcool. A plus, bye bye, ciao.